Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Nous allons donc récupérer les différents intels de cette ville, de cette nouvelle région. Je sais qu'on est déjà allé récupérer ceux-ci, chers amis, ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Cependant, vu qu'on peut récupérer une deuxième fois, vu que je recharge la série, c'est la nouvelle session en fait par rapport à la dernière fois, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Oula, j'ai cru que j'allais taper dans l'arbre. Jamais 203. Ok. Avec lui, ça fait crac. Et donc c'est lui le fameux qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Recule, tu vas te faire griller. Ne tirez pas au jugé, pas question de toucher les civils. Je bouge plus parce qu'apparemment il y a des gens autour de moi. Visuel, c'est un groupe de sicarios. Vers la décharge. Désigne une cible, attention aux civils à côté. Ok, on est passé. Oh putain. J'en vois 10. Tout dépendra de qui va tourner et où ils vont tourner. Mais non. Allez, c'est par où? C'est par là. On va le suivre. Putain, j'appuie sur Y pour monter sur la moto. On est parti. Ils m'ont vu. What the... C'est bon. Ok. Je peux pas engager, je peux pas tirer? C'est pas les armes qu'il faut, cela dit. Hop. Bonjour. Il paraît que t'as des infos pour moi. Allez, vas-y, je t'écoute avec ton beau chapeau. Les médailles bonus. Ah bah c'est cool, merci. Merci d'avoir parlé. C'est... Ah non, je crois que j'étais dessus. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Je suis là, d'accord, ok. Médaille bonus, efficacité Rocco jumelle, d'accord, plus 15%. On pourrait aller là. Le cartel possède une flottille de sous-marins qui lui servent à passer. Ça me semble honnête. Je veux que vous les détruisiez. Ah, attendez, il y en a une juste à côté, regardez. Il y a une intel vraiment juste à côté. Wow! Qu'est-ce que ce bordel? Tais-toi! Tu vas me foutre dans la merde! Ah putain, je croyais qu'il allait sauter dessus moi. Mais non, bon tant pis, c'est pas grave. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui me voient ou qui m'ont potentiellement vu à un moment de leur vie et qui du coup ont des doutes. Mais bon. Intel, enquêtez. Le raid logistique, c'est bon, on a tous les trucs bleus, c'est ce qui m'intéresse principalement. J'ai trouvé le bordereau de fret d'un avion logistique du cartel. La cargaison a l'air prête. Apparemment, nos hommes défendent un peu violemment. T'en penses quoi, chef? Tu veux voler un avion? Par contre, ils ont des yeux dans le dos, les gens. Non, franchement, ils ont des yeux dans le dos. Hein. Vous voyez, regardez. D'où est-ce que tu me vois?
Wow, toi par contre c'est normal que tu me vois, oui effectivement, je confirme. Ah! 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 Moi je disparais dans l'eau, voilà. Ils sont trop nombreux, on est beaucoup trop... Et puis surtout, vous avez pu voir à quel point l'IA était très 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 pute là pour le coup. Parce qu'elle nous a complètement... Bah, grillé en fait, mais alors vraiment complètement, c'est-à-dire qu'elle elle avait des drones sur nous quoi. T'es pas sérieux bonhomme, t'es pas sérieux bonhomme, wow wow wow. Non mais tu vas te calmer toi. Y'en a d'autres là-bas? Vous voulez votre... Voilà, dans ta gueule, littéralement. Dans ta gueule aussi. T'es derrière le mur ou t'es... Voilà, merci. Si ça te dérange pas l'ami, je vais te piquer une de tes... Une de vos voitures, ou alors je vais prendre le camion. On n'a pas encore pris de camion. Si, on a pris un camion dans une précédente vidéo, mais je crois que c'était pour le transporter. On n'a pas encore trop pris de camion. On va prendre un camion. Je conduis. La vraie question, c'est combien de personnes je peux emmener. Apparemment que une. Alors qu'en vrai, on peut tenir à 3, voire à... avec une personne sur le toit. Ce qui n'est pas... Pardon. Ce qui n'est pas si... rare que ça malheureusement, je vous invite à vous renseigner sur les routes, toutes ces routes de pays malheureusement, je vais dire, de... Ah ça veut pas venir, non ça, bah, je vais pas le dire, des pays un petit peu en retard en termes de développement, où en train de se développer violemment, les routes sont véritablement... Ou alors renseignez-vous sur les pays d'Afrique, pardon, il y avait un truc, ok. Tout ça pour dire qu'en fait, grosso modo, sur ces pays, dans ces pays-là, les routes sont... Enfin, y a des morts toutes les secondes, quoi. Des dizaines de morts, peut-être même toutes les secondes, quoi. C'est, les gens sont sur les hauts des camions, à 40 dans une voiture, ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Y'a quelqu'un qui me voit, apparemment. Ah bah, ils m'ont vu. Tu veux bien reculer, s'il te plaît? Quoi? Bon, c'est pas grave. Ah ah, je suis à l'abri. Mais je les vois pas. Putain, toi je t'ai vu. Oh la vache. Sniper. Ah, il est mort. Lui aussi, il est mort. Monte ta tête qu'on rigole. Monte ta tête qu'on rigole. Monte ta tête qu'on rigole. Mais passe pas devant. Mais tu vois bien que je suis occupé. Wow. Il y a d'autres personnes en fait. Je vois pas où sont tous ces gens qui... Quoi? Attendez, il y a pire que ça. Il y a l'hélico de l'Unidad que personne n'a pensé à... Mais t'es con! Il attaque l'Unidad lui! Voilà. Des coups de feu, l'Unidad s'en prend au cartel. Apparemment, faut que je grimpe ici. Wow, mais t'es où toi? Ah putain, c'est l'Unidad qui arrive en bagnole. Mais pourquoi mon pote il a attaqué l'Unidad? Il est débile. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a attaqué l'Unidad? On n'attaque même pas l'Unidad là, c'est vraiment la Santa Blanca. Pourquoi avoir attaqué l'Unidad? Excusez-moi, ça me choque. Vous voulez bien vous TP sur moi? Voilà, merci. Putain, c'était juste.
Non, non, tu me vois pas de là, tu me vois pas de là. Ok. Tellement au taquet ces mecs de l'Unidad. Tu veux pas grimper sur le lit? Parce que vu que tu peux pas avoir accès à la fenêtre. Pfff. Oh la vache. Je vais me faire rect au moment où je vais sortir. Je m'occupe de toi, tu vois. Oh lalalala. Lalalala, mais c'est pourquoi avoir attaqué l'Unidad? Putain, ça passe pas. J'aurais dû m'en douter. Je croyais que ce... en train de dire, je croyais que ce serait moi qui serais visé, mais effectivement. Moi, c'est la planquillade là. Hein. Je suis désolé, mais là, moi, je fais plus dans le coup de l'Unidad. Là, moi, j'attaque pas. Hein. Pas encore, en tout cas. Tu veux bien prendre l'escalier? Voilà, merci. Voilà, on est traqué. C'est bien suffisant. L'ennemi nous a échappé, parfait. Donc on a pu échapper à l'Unidad. Moi ce que j'ai besoin c'est de monter là-dessus pour aller chercher déjà la tour. Là. Putain, mais passe là-dessous. Voilà. Mais qu'est-ce que tu vous foutez? Pourquoi vous allez au cac, Bondia? C'est nul. Apparemment, elle est encore plus haut. Bon, bah. On va encore plus haut, alors. Mais enfin, bon, d'ici là, qui me voit aussi. Hein. Je suis désolé, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Hein. Ok. Encore une. Prendre des munitions. Ok. Vous savez, avec le coup du franchir. Apparemment, il n'y a aucune cible dans le coin. Parce que le franchir, je veux bien, mais si tu me lances l'hélico, si tu me lances le parachute. Allez, vu qu'on est traqué, après tout. Allez. Oula. Ah oui, non, il veut juste franchir par. D'accord. Ah, attendez. Ok, nouvelle descente, c'est bon. Bon après, on reste complètement dans la merde aussi. Allez, on y va. Alors clairement, oui, ça fait lieu où on construit un sous-marin. D'ailleurs, je devrais être un peu plus intelligent que ça et me dire, sous-marin, je devrais passer par en dessous. Eh bah oui. Oh, y'a Rambo qui parle dans le... Bref. Je disais donc passer par en dessous. Ça pourrait être intéressant.
Apparemment, nous sommes soupçonnés qui puisait. Mais apparemment, je veux pas plonger. Est-ce que je peux grimper là ou... Oui, il peut. Oui, il passe même à travers certaines choses, mais... J'aime bien ce son. Ok. Ok. Narco sous-marin en visu. Ça doit être le modèle grand luxe de Cérébro. Ça nous amène à 10. Oui, mais... Sicario en vue avec un minigun. Bon, c'est pas grave. Comment je fais pour le détruire? Parce que j'ai bien une idée, mais... Tout simplement? D'accord, tout ça pour ça. Comme on dit. Cible détruite. Faut pas mégoter sur la sécurité. C'est quoi le petit cadenas là? Tu ne me verras pas. Il y a moyen de venir par au-dessus? Non. Oh, mouais. Ah bah y'a plus personne. Bon bah écoute. Mais non, c'était parfait, la mission est réussie. On va prendre ça. La camionnette. Moi quand j'appellerais ça une camionnette, je serais vraiment riche. Ok, bon, ça c'est fait. Ici, qu'est-ce que nous avons dans la région? C'est quoi ça? Midas, qu'est-ce que t'as à côté de toi? Je viens de le voir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. En vrai, je peux rouler sur tout avec ça. Bonheur. Ah, par contre, ça roule mal. Il y a une latence dans la conduite, c'est violent. Ok, ici nous avons un 556XI, le rejon des formes R et AK. D'accord. Un point de compétence et un intérêt. Bah, c'est là qu'on va. Ouf! Le coup de frein! Oh pardon madame, excusez-moi, je vous ai un petit peu tapé dedans. Il n'y avait que de l'amour dans ce geste pourtant. Alors là, viens me dire que je suis suspect avec ça. Y'a personne. Poussez-vous. Poussez-vous. Hey, y a des ravitaillements coincés là-bas. Quoi ? Feu ! Le jour viendra à bout du blindage. Et tu comptes faire feu ou... J'ai rien dit. Ah, je crois qu'on a tiré pour tuer là, hein, pour le coup. On pouvait pas faire mieux. Je sors. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est plus un problème. Ok. Matériel. Okay. C'est à prendre. Appuie à la force du repérage, rebelle, d'accord. Hop, un tel, critique, qui plus est.
fait tout ça pour rien. Si j'en croise de okay. El Cerebro achète à l'étranger des tonnes de composants électroniques militaires pour son nouveau prototype. Localiser le bateau blindé. On dirait qu'une cargaison est arrivée par bateau il y a deux jours. Je prends ça aussi. Comment il a récupéré ? Cette cargaison est peut-être une mine d'or pour l'ISA. Si on vole le bateau et qu'on l'apporte à Bowman, crac. Elle le fera passer au pays. Oh, elle fume. Ma voiture fume, merde. Regardez, c'en est un là, juste derrière là. Il l'a pas vu venir. Enfin, oui, il l'a vu venir et malheureusement il l'a pas réagi. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Ça passe au travers normalement. En vrai, y a pas de problème. Voilà. En vrai, c'est comme ça que ça se passe. En vrai, ce machin, il a pas beaucoup de copains dans la nature. Ok, y a une arme ici. Je veux regarder ce que c'est. Donnez-moi. À moi. À moi. Oui. Inspecter. Mais putain, j'aimerais. Quand je dis inspecter l'arme, j'aimerais bien que ça m'inspecte l'arme plutôt que. Oula, que ça m'inspecte l'arme. Visuellement, ça ressemble à quoi? Eh ben, c'est pas si moche. Modifier. Cross. Non, moi, j'ai besoin d'armes précises. Désolé. Vue panoramique, mire polymère, d'accord. On peut mettre ça. Détente semi-auto-auto. Canon. Canon long. Et ben voilà une arme qui a de la gueule. Bon, par contre, je perds le. Je vais garder mon G36C parce que sinon je perds le. Le lance-grenade. Mais bon, c'est comme ça. Ma voiture! Ma voiture! Il m'en faut vraiment un comme ça. Ou alors faut que j'apprenne à réparer les voitures. Ça dépend. C'est bon, on y va. On a pété. Ah, ça va péter? Non! Ma parfaite voiture! Mon véhicule de rêve! Pourquoi? Pourquoi ça va pas? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pètes pas? Ah, peut-être parce que ça m'y pose en fait. Peut-être. Ça c'est quoi ça? Non, c'est le truc qui est en dessous qui m'intéresse. PM, ça m'intéresse pas du moche. Bon. Dis-moi! Transmission plus 2500, ça peut être intéressant. Carburant plus 2500, ça peut être intéressant aussi. Fusil à pompe, non. Par contre, elle est là, oui. Le cartel possède une flottille de sous-marins qui lui servent à passer la coque en Floride. Je veux que vous les détruisiez. On va partir de là. Peut-être un hélicoptère ou un truc comme. Je crois pas qu'il y ait grand chose à celui-là. Cela dit. On en est où dans l'épisode? On a 23 minutes. Cool. Qui c'est qui me parle sur. Oui, alors le général J, si tu te reconnais dans les vidéos, me spam pas tous les jours pour me dire bonjour. C'est pas pratique. C'est poli, hein, c'est sûr. Mais ça mène à rien, c'est. Enfin, je comprends pas pourquoi. Bon, il y a un hélicoptère, c'est toujours ça de prix. Hop. Oula, il y a de l'unidad dans le coin aussi. Ce qui m'emmerde un peu plus. Ah oui, la forêt, la magnifique. Elle est magnifique cette forêt, ma chérie, elle est magnifique cette forêt. Ta forêt noire, elle est magnifique. Ah bah elle va être noire, mais noire cramée bientôt là, hein, pour le coup. Désolé, j'annonce la fin des forêts. Oh là 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 là. C'est quand même vachement beau, vachement beau. Ok, on y est presque. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire dans la région? Non, juste le point. Ici on avait un truc. Cross rétractable pour fusil à pompe, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ici on a un fusil de sniper, compact pour le CQC mais précis à distance. Il a l'air quand même moins bien que le mien. Ok. On y va. Salut. Et on va se changer pour la... Vous avez pas de couilles les mecs hein. Faudrait dire à Fitzcarraldo qu'on a trouvé son rafio. C'est dingue qu'un truc aussi mastoc ait pu remonter si loin. Putain, je l'ai loupé. Elle m'a dit la même chose. Elle a reparti d'un gamin de 4 ans. J'ai repéré une station réseau du cartel.
faut pas leur gâcher le plaisir. Suffit de défoncer la porte et de la désactiver. Je déploie le drone. Ok, ça s'est plutôt bien passé, cela dit. Hein. En dehors de l'atterrissage que je foire toujours au niveau des... Il y avait du monde. Ah oui, il y en avait un juste là. Et c'était un sniper. Il m'a pas vu venir. Bah putain, il est aveugle, ce sniper. Ok. Commence à les arroser, ces enfoirés. Ils peuvent pas me voir, c'est pas possible. Vas-y, sors ta tête. Sors ta tête. Le seul qui m'avait vu. Non, 112 mètres, je peux pas le... Donc le camouflage pendant un combat fonctionne. Ça, c'est vraiment magique. Putain, elle est pas passée loin, celle-là. Arrêtez de passer devant moi, déjà que les branchages. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. Voilà. J'allais dire déjà que les branchages m'emmerdent. T'en as mis du temps. J'ai besoin de noms, je suis désolé. Il va me falloir des noms. On a un narco sous-marin à faire sauter, surveillez la zone. Pedro! Ma che où tu es, Pedro? Je ne te retrouve plus, Pedro! Putain. Putain de balle. Désolé. Ah! Oh, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Je pensais pas qu'ils allaient être tous là. Et apparemment, j'ai pas eu le mec que j'ai visé au début. Ouais, je m'entends. Je t'entends, pardon. Je m'entends. Je suis con. Oui, forcément que je m'entends. En tout cas, il y avait plus de monde que prévu. Mais technique intéressante, cela dit. J'aime le principe que me planquer dans les fourrages en plein combat me planque. Vous voyez, j'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé en fait que ce serait efficace. J'ai pensé à détecter tout le monde te voit, invisible, personne te voit. Tu vois, c'est le truc classique quoi. Mais montre pas ta tête comme ça. Montre pas ta tête comme ça, cabron. C'est stupide. Alors apparemment il y a un gros bateau dans le coin. Je suis curieux de voir parce qu'apparemment il est tellement gros que c'est presque étrange qu'on l'ait pas vu soi-disant, selon ce que dit notre ami. Donc j'aimerais voir un petit peu. Et remonter au passage aussi, ça serait cool. Putain, il y a un escalier juste là. Ok, cool, 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 cool. Crac. Ah oui. Oui, c'est exactement le même que tout à l'heure en fait. Question, est-ce que ça va suffire? Frag lancé. Pourquoi j'en ai envoyé deux? C'est une excellente question. Ok, bon bah ça passe alors, finalement. Alors je vais chercher des munitions, mais de l'autre côté du coup, parce que... Eh, tant qu'à faire. Ah bah oui, non? Oui? Non? Ouais, je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Je me disais, va y avoir l'escalier, certes. Je vais avoir du mal à grimper dessus de ce côté-là. Bah voilà, ça me le fait. Bon,
Eh ben écoutez chers amis, du coup nous on va cesser la partie épisode, je vais aller récupérer les munitions et on va se laisser là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager et vous abonner, hein. Rappelez-vous que vous pouvez partager les vidéos et vous abonner, ce sera vraiment la meilleure des choses que vous puissiez faire si vous n'êtes pas abonné. Partagez les vidéos si vous l'êtes et si vous appréciez le contenu. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, donc après demain pour la suite de cette aventure dans Ghost Recon Wildlands. Salut les gens.